Bonjour à tous, donc aujourd'hui je reviens pour un nouveau nail art. Donc je suis vraiment désolée, je m'excuse vraiment de notre absence en fait. Donc tout d'abord je viens prendre trois teintes de bleu différents. Donc j'en ai pris deux de chez Vera Valenti et un de chez Guillon. Donc il faut vraiment que ce soit des teintes différentes mais assez approchées. Vous n'allez pas prendre genre un rose mais juste super foncé et un rose trop clair. Enfin vous pouvez mais ça va pas donner le même style. Donc je viens disposer sur l'ongle, donc moi c'est toujours sur ma main d'entraînement, mais je viens disposer en fait tous les bleus n'importe comment, c'est-à-dire que je vais mettre du bleu clair, du bleu foncé, un peu partout sur l'ongle de façon à que ça donne quelque chose de irrégulier en fait. But if I was to say I regret it, wouldn't mean a thing, 'cause every time I think, j'enlève les contours qui dépassent. Je viens prendre un stripping que j'aime pas en fait. Vous pouvez en prendre un que vous aimez, mais c'est un peu bête de gâcher du stripping que vous aimez pour faire ce qu'on va faire. Et je viens tout simplement découper des bandes que je vais venir poser sur mon ongle de façon à donner quelque chose d'assez joli une fois qu'on va les enlever. Ensuite, je vais prendre le numéro 275 de chez Kiko, c'est tout simplement un noir. Je vais recouvrir avec le vernis noir, je vais recouvrir en fait tout mon ongle. Et j'attends que ça sèche et je viens en fait enlever les morceaux de stripping. Donc moi c'était sur un faux ongle qui était collé sur ma main d'entraînement, c'est pour ça que c'est un peu décollé mais rien de bien méchant. Voilà ce que ça donne et ça ressort vraiment pas bien à la caméra donc c'est vraiment dommage. Et après c'est facultatif mais moi je viens mettre un tout côte et je viens coller en fait une petite paillette, un petit strass dessus et c'est vraiment trop joli.